Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission Mistral Télé, Escarpins et Rouge Micro. Cette toute nouvelle émission musicale va vous permettre de découvrir ou redécouvrir des artistes de votre région, compositeurs, musiciens, interprètes, des petites pépites que vous aurez forcément plaisir à réécouter. En parlant de petites pépites, on va initier ce programme avec un duo que j'affectionne tout particulièrement. Je les ai rencontrés il y a quelques mois sur une aire d'autoroute et depuis, il me tarde de vous les présenter. Parce qu'à côté d'eux, le soleil a tendance à briller, je vous demande d'accueillir Yael Mendel et Eric Francavilla. Oh, merci, quel accueil, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Bonjour Yael, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Ravine. Je suis ravie que vous soyez là. Enfin, on y a pensé à cette émission et on l'a fait ensemble, on la commence ensemble. Merci beaucoup à vous deux. Ah ben, de rien, et surtout c'est avec un très très grand plaisir, tout ce qui ce nouveau projet, en plus dans la musique, on ne pouvait être que partant, voilà. Mais merci, tu parles du nez, toi. Merci. Serais-tu enrhumé aujourd'hui? Non, si peu. Oh. Yael et Eric, un duo musical, un duo dans la vie. Oui. Parlez-nous de votre duo, tout simplement. Alors oui, notre duo donc, qui s'appelle « À corps et âme ». C'est vrai qu'on est les gens nous connaissent surtout sous ce nom, grâce auquel depuis quelques années on vit une grande passion. Bon, déjà on a la chance de vivre de notre passion, donc ça c'est déjà juste merveilleux. Et puis voilà, ce duo donc il est né, je sais plus, en 2012, je crois, quelque chose J'ai comme ça. J'ai pas tellement mémoire des dates, moi. Il a démarré tout petit et puis c'est un petit bébé qu'on a fait grandir. Alors il a démarré comment ce duo? Les prémices du duo c'était quoi? Alors là en fait on s'est rencontrés avec Yael. Moi j'étais ingénieur du son sur un spectacle dans lequel elle chantait. Et un spectacle rétrospectif de comédie musicale. Et on s'est croisés comme ça, voilà. Moi derrière une console de son, donc pas du tout en tant que musicien. Et c'est un petit peu plus tard qu'en fait, on a découvert qu'on avait peut-être des choses à faire ensemble parce qu'on a été embauchés, elle et moi, sur une soirée où l'organisateur nous a demandé de faire, si c'était possible, et là, cette fois-ci, j'étais musicien, de faire un petit passage guitare-voix, un truc très court pour l'accueil du public. Alors, on a dit pourquoi pas, et c'est là qu'on s'est vus un peu en aparté et qu'on a commencé à coucher sur un bout de papier tous les morceaux qu'elle connaissait bien, ceux que j'étais susceptible de pouvoir accompagner facilement parce qu'on avait très peu de temps pour préparer. Oui, là c'était vraiment pas spécialement pour là, c'était vraiment pour monter un mini duo pour la soirée, faire quelques titres, donc on n'était vraiment pas là pour le plaisir, évidemment qu'il y avait la partie plaisir, mais il fallait faire vite quoi, il fallait vraiment vite monter quelques morceaux, donc qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que je connais, ça, enfin, et en une heure ça a été magique. Ah ouais, on avait un répertoire déjà de 30 titres de reprise, hein, mais pas de création, mais de 30 titres qui tenaient bien la route, et tout de suite on a senti un truc, une osmose, le truc un peu magique qui arrive de temps en temps d'une rencontre, voilà. Alors il faut savoir que moi je tiens à préciser quand même, c'est que pour ma part, Eric Francavilla, j'entendais ce nom depuis des années, depuis que j'étais dans le réseau grenoblois, j'entendais vraiment beaucoup parler de lui. Eric Francavilla, dans le réseau des musiciens et des artistes, c'est vraiment un artiste qu'on met là, qui a un talent de guitariste extraordinaire, dont tout le monde parle. Et c'est vrai que moi, rien que de me dire « tu vas chanter quelques morceaux avec Eric », je me mettais une pression comme ça, c'était le truc de fou, quoi. Pour moi, la petite chanteuse pas du tout. Ça a changé, hein, maintenant. C'est moi qui ai la pression, voilà. Surtout à la maison. Ouais, j'ai bien l'impression que la magie est encore là, quand même. Hein. Ça dépend. Une belle rencontre musicale, en tout cas.
En parlant de magie, je vous parle du Soleil brille. Le Soleil brille, c'est un titre que moi j'ai écouté il y a quelques mois en arrière, vous le savez. Eh oui. Hein, mes bios le chantent en boucle dans la voiture. C'est très très optimiste. C'est votre mode de vie, l'optimisme dans la chanson, comme ça, au quotidien. Oui, oui. C'est ce vers quoi on aimerait tendre. Alors évidemment, c'est pas facile tous les jours. Il fait chaud chez vous. Hein. Mais le soleil brille. C'est pas que le soleil qui brille. C'est le soleil qui brille. C'est vrai qu'on aime. C'est sûr que c'est une belle manière de penser et on a cette manière de penser. Après, est-ce qu'on arrive à l'appliquer? Ça, c'est une autre histoire. Pas toujours évident, parce qu'il y a toujours il y a toujours dans la vie des grains de sable qui viennent se mettre dans le rouage. Mais on essaie toujours de faire avancer. Et même quand on est face à une certaine adversité, quel que soit le domaine de la vie, ben on essaie toujours de s'en défaire avec un petit peu de courage. Quoi, vas-y, coupe-moi si tu veux. C'est moi qui ai le dernier mot à la maison, donc c'est pour ça, vous voyez, ça se ressent même en plateau télé. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'était que c'était vraiment ça nous invite un peu cette pensée de se dire qu'il est toujours, arriver à voir, à sortir toujours le positif de tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Il n'y a que comme ça qu'on avance finalement. Enfin, et par votre musique, c'est votre quotidien, c'est tout le temps comme ça. Mais vous resplendissez de toute façon tous les deux sur scène. Hein. Moi, j'ai pu vous voir. Ça, c'est gentil. Et ça me fait plaisir. Je pense qu'on a une belle complicité qui se ressent forcément. Puis on est vraiment dans le partage avec le public. Quoi. Oui, c'est vrai. Je pense que ça se ressent, le côté complicité. Et d'un seul coup, cette complicité, eh bien, elle se transmet au public. Et la plupart de nos soirées, ou de nos c'est pas forcément en soirée d'ailleurs, mais la complicité se fait dans toute la salle après. Et on sent vraiment quelque chose s'établir. Et on a vraiment coutume de dire que on établit des liens comme si finalement c'était une bande de potes qui sont musiciens. Voilà, j'avais mis ma guitare avec moi, elle était dans la bagnole, et puis on l'a sortie, et puis on s'est mis tous à chanter ensemble, et ça, on y tient vraiment, cette convivialité, elle est très importante. Je suis sûre que le public qui est là aujourd'hui va être d'accord avec ça. Ben, on espère, essayer, hein. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, si ça se trouve, ils vont être vachement déçus. Hein, non, vu l'accueil, moi j'ai pas de doute. On parle de complicité dans votre écriture aussi. Il y a beaucoup de complicité. Vous êtes en complémentarité là-dessus. Un prochain album? Ça, oui, c'est notre rêve, hein, simplement. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a déjà avancé sur ce projet. On a déjà un mini-album, un EP, un 4 titres. Qui est très chouette, qu'on peut retrouver d'ailleurs. Hein, tout à fait, qu'on peut retrouver. On chante quelques titres en prestation, on vend cet album dans nos prestations, sur notre site internet aussi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le rêve de beaucoup d'artistes, chanter ses propres chansons. C'est qu'aujourd'hui, on gagne notre vie par notre passion, donc c'est déjà magique. Mais évidemment, le rêve ultime, c'est de vivre de ses propres chansons. Ça, c'est une autre, c'est un autre combat, parce que c'est un sacré combat quand même. On retrouvera toutes les informations à la fin de l'émission, donc n'hésitez pas vraiment même à nous solliciter pour avoir les informations. Donc le soleil brille sur votre première EP, on va écouter ça. Alors bien sûr, on est super indulgents parce qu'il y a des choses qui tombent vraiment pas bien, Yael est malade au possible. Donc on va voir un petit bout du soleil brille, hein. Déjà ça va nous éclairer l'émission, j'en suis certaine. C'est parti. Ouais. Allez, un petit bout, c'est parti. Merci, on Yael. S'excuse, merci, auprès de la sécurité sociale pour le trou qu'elle vient de faire ce matin. Elle a une valise de médoc, elle est chez le médecin. C'est déjà très très chouette que vous soyez venu. Merci beaucoup. Merci. On vous écoute. Toujours bon. Alors je marche dans les rues
le cœur léger vers l'inconnu. Et puis tant pis si la pluie vient mouiller un peu ma vie. J'ai gardé tant mon ciel, la chaleur du soleil. Alors je marche dans les rues sous le regard des inconnus qui ne voient pas au pas l'abri au-dessus de leur parapluie. Le soleil. Accords et âmes, Yaël Mandel et Eric Francavilla. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Bah de rien, on est désolés. Ouais, sincèrement, non, c'est très très frustrant pour moi. Il n'y a aucun souci, le public peut tout à fait aller retrouver donc le titre Le Soleil Brille sur votre EP Accords et âmes avec l'Esperluette sur votre site internet. Et oui, c'est ça, notre site internet c'est www.accordsetames.com, tout attaché. Vous trouverez justement les quelques compos qui font partie de cette EP, toutes nos dates, vous verrez où vous pourrez nous voir en live, et plein d'autres informations sur notre vie intime et passionnante. Les réseaux sociaux également, le Facebook, oui, il y a tout ça. Hein. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller les voir, retrouver Yael et Eric sur tout ça. En parlant de composition, il y a autre chose dont vous vouliez nous parler sur le prochain album, un titre qui vous tient à cœur. Mamie dit. Oui, tout à fait. Dis mamie. Dis mamie. Presque. C'est presque ça. On gagne dans le désordre, comme le tiercé aussi, hein, souvent. Oui, dis mamie, c'est une chanson qui n'existe encore que dans un dictaphone, voilà, entre sa guitare et ma voix. C'est vrai que c'est une histoire qui nous tient vraiment à cœur. C'est simplement un jour. Alors moi, j'ai une histoire d'amour avec ma grand-mère, comme beaucoup beaucoup de gens. Qui m'a quittée en 2001, et c'est vrai qu'elle est restée en moi, ça a été très très fort, quoi. Il n'y avait pas un jour sans que je pense à elle. Et un jour, il y a une année, un an ou deux, j'envoie à Eric des paroles en vrac. J'ai écrit des mots. Elle écrit beaucoup. Voilà, sur ma grand-mère. Et puis Eric, qui lui a vraiment ce don de transformer les mots en chansons. Je lui ai dit, tiens, fais quelque chose, mais je veux une chanson sur ma grand-mère. Voilà, et ben je te laisse. Oui, parce que après, donc moi, si tu veux, ben c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, il y a énormément de phrases dans la chanson qui sont les siennes, auxquelles je n'ai pas touché. Après, ben il faut faire en sorte que ça rentre dans la musique et faire attention un petit peu aussi. Moi, j'aime beaucoup les rimes. Donc voilà, de faire en sorte que cela devienne vraiment une chanson. Et je me souviens quand je l'ai eu fini de l'écrire, aussi bien au niveau de la musique que des paroles. Ma sœur était là, ma sœur qui vient de faire son anniversaire, d'ailleurs pas très longtemps, bon anniversaire, ma petite Peg. Elle a 10 ans de moins que moi, et je lui chante la chanson. Je lui dis, tiens, regarde, c'est une nouvelle compo, et qu'est-ce que tu en penses? Et je vais te la chanter. Et au milieu du titre, elle commence à pleurer. Elle a les larmes aux yeux, et étant donné que j'avais écrit pour la grand-mère de Yael, sur le coup, j'ai pas percuté qu'en fait pas mal de personnes, voire presque tout le monde, peut s'identifier dans cette chanson et revoir cette fameuse grand-mère qu'ils aimaient tant. Et c'est ce qui est arrivé à ma sœur, et c'est sur le tout dernier couplet qu'elle, là, elle se déconnecte un peu et qu'elle comprend que c'était pas pour notre grand-mère qu'elle avait été écrite. Et elle m'a demandé après les explications de ce dernier couplet. Parce ils qu'en sont fait, forts. Hein. Non, ça, j'en sais mots. Rien. C'est le public qui se fera son opinion là-dessus. Mais tout ce qui est dit dans cette chanson, et ça j'y tenais, tout ce qui est dit dans cette chanson est absolument vrai. Il y a une petite anecdote sur la date du départ de sa grand-mère qui coïncide avec l'anniversaire de Yael. C'est absolument vrai. Voilà, donc c'est tout. Et je pense que c'est pour ça que cette chanson nous touche autant. Tout est vrai. Vous allez arriver à nous faire un petit bout de cette chanson quand même? Alors entre ses problèmes de voix et l'émotion qu'elle a à chaque fois, ça va être, on va essayer. Le challenge. On va essayer. On essaye. En tout cas, encore merci d'être venu. Merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Merci, merci. J'espère qu'on vous reverra très vite pour le prochain album en fin d'année. On est d'accord? Ah ouais, complètement. Et bien c'est parti. C'est sûr. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, et longue vie à l'émission. Bravo pour l'idée. Merci. C'est vraiment super chouette. Il y en a plein d'autres derrière. Plein. On va écouter ça. Merci à vous. Je t'écris.
avec l'espoir en m'entendant que tu me lises à travers ciel. Si mamie, dis-moi comment on fait pour entrer éternel son amour pour qu'il résiste au mauvais temps. Pour le meilleur et pour le pire, si mamie, dis-moi comment, toi qui vis dans tout mon être, comment faire pour prendre des grands, pour rendre sûr tous les peut-être. Si mamie, dis-moi comment, j'aimais tant. Si mamie, dis-moi pourquoi je suis perdue et j'ai si mal. Toi qui n'as jamais baissé les bras quand tes jambes se sont fait d'amas. Tu chantais contre l'oubli de nos ancêtres emportés vers les camps. Et je continue de chanter ces mélodies. Si mamie, dis-moi comment, toi qui vis dans tout mon être, comment faire quand on est grand, pour rendre sûr tous les peut-être. Si mamie, dis-moi comment ouvrir les fenêtres et prendre l'air de temps en temps, y respirer ton parfum que j'aimais tant. Et toutes ces odeurs de croissant et de chocolat, les câlins tout en douceur de tes mains douces posées sur moi. Toujours là. Si mamie, dis-moi comment tu as su que c'était lui, jusqu'à changer de religion pour que cet homme soit mon papy. Si mamie, comment tu as fait? Promets-moi que c'est volontaire d'avoir choisi pour t'en aller le jour de mon anniversaire, pour que tu vives à travers moi. J'espère. Merci. Et voilà, donc nous avons laissé Yael et Eric et nous retrouvons, donc on change d'univers totalement, on s'en va vers des horizons complètement différents. On va les rencontrer, la musique de Django, et je reçois maintenant Belzaï. Bonjour les Belzaï. Bonjour Amandine. Donc messieurs Olivier, j'ai Cédric, il y en a plusieurs même, et Nicolas, je suis ravie de vous voir. Vous êtes beaux comme... Des papes, c'est ça qu'on dit, hein? C'est ça, comme des papes. Comme des nœuds papes, vous êtes beaux comme des nœuds papes, magnifique. Je suis ravie de vous recevoir. Vous nous expliquez un petit peu ce qu'est votre univers? Alors, Belzaï est un quartet donc, composé de deux guitares, contrebasse, saxophone, soprano, des guitares manouches. Donc voilà, une musique faite de composition, essentiellement. Inspiré par la musique de Django, voilà, puisque on fait du jazz mais sans batteur, donc vraiment c'est l'esprit de Django Reinhardt, avec de nombreuses influences qui viennent se rajouter
à cette musique, évidemment. Bossa, musette, j'ai écouté un petit peu tout ça, c'est vrai, ça donne envie de danser, tout simplement. Voilà, musique klezmer également, beaucoup de choses. D'accord, très bien. On est d'accord que vous êtes tous les quatre d'un univers un petit peu différent. Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Donc, vous, Olivier. Oui, bah, j'ai écouté énormément de choses dans ma vie. Je suis venu au jazz manouche assez tardivement, puisque j'ai découvert cette musique il y a 7-8 ans, on va dire. D'accord, c'est récent. Voilà. Et avant ça, j'étais adolescent, j'ai fait de la guitare électrique. J'ai commencé la guitare électrique en écoutant du rock, du métal. Comme tous les adolescents. Vous avez grandi un petit peu depuis. C'est ça. Voilà. Et puis en même temps que j'écoutais Pantera, j'écoutais Chopin. Voilà. J'ai des goûts assez éclectiques, en fait. Un petit peu comme dans l'émission Escarpin. On va écouter un petit peu de voilà. tout, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et voilà, bah, quant à mes influences, j'ai beaucoup écouté Miles Davis également, j'ai beaucoup écouté John Coltrane, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises, j'écoute tout. Et dans le parcours musical, professionnellement, vous avez fait quoi ? Alors professionnellement, j'ai pas fait de la musique tout de suite, puisque j'ai d'abord été cuisinier pendant très longtemps. Et pas n'importe où en plus, hein ? Un petit peu partout dans le monde, c'est ce que j'ai compris ? Bah en Europe en tout cas, voilà, Pays de Galles, en Irlande, en Espagne. Ah, et puis je suis arrivé sur Valence, j'avais l'ambition de changer de métier. Et donc j'ai repris un peu le train de la musique en marche à Jazz Action Valence. Et, merveilleux. Et voilà. Très bien. Et me voilà. On va passer le micro à Nicolas. Ouais. Bonjour Nicolas. Bonjour. Jolie ne pape également. Merci. Alors dites-nous un petit peu, Nicolas, votre parcours musical à vous, avant d'arriver dans Belzaï, parce que je pense qu'il y a eu une belle rencontre à un moment donné, vous nous direz un petit peu après, mais avant cette rencontre, comment on en vient à prendre la guitare ? La guitare, moi, c'est arrivé tardivement, aux alentours de mes 20 ans, je crois. C'était vers les années 2000. Voilà. Musicien préalablement quand même ou... Une famille de musiciens, et voilà, assez mélomane, mais je n'étais pas instrumentiste du tout. Et puis j'ai commencé de manière assez... on va dire comme ça, comme tous les guitaristes, on gratouille quelques accords. Et c'est à partir de 2005, en fait, où j'ai commencé à rencontrer d'autres musiciens, notamment dans des bœufs manouches qu'il y avait au Webster Café, un café valentinois, feu le Webster Café. Voilà. Mais voilà, c'était une belle période où on a fait quand même quelques bœufs, plus d'une centaine au moins, dans ce lieu. Et du coup, on a rencontré pas mal de musiciens. Et voilà, moi, pour moi, tout a commencé là. À cette époque-là, j'étais gérant d'un magasin de chaussures. Voilà. Ah, parce qu'il faut quand même qu'on observe leurs chaussures. Elles sont magnifiques, les chaussures des Belzaï. Hein, vraiment, hein. La petite note. Assortie aux nœuds papillons. Aux nœuds papillons, évidemment. Et pas que. On viendra après à la tenue, il n'y a pas de souci, Cédric. Donc donc j'avais un métier autre à l'époque. J'étais cuisinier aussi avant, pendant 5 ou 6 ans. J'ai mes premiers amours. Je pense qu'il y a un vivier intéressant dans les cuisines valentinoises, moi. On va aller faire un petit tour aussi. Voilà. Et puis après, ben voilà, je suis intégré à un groupe de manouches valentinois fin des années 2000, qui s'appelle Mystologie, avec qui on a fait un album en 2012, je crois. Et qui tourne toujours. Hein. Et qui tourne toujours. Qui tourne voilà, bien. Voilà, on tourne pas mal. Voilà, entre-temps, j'ai fait une école aussi de jazz à Paris pendant un an dans les années... Je crois que c'était en 2010, voilà. Et c'est à ce moment-là, en 2010, que j'ai arrêté mon ancien métier pour devenir professionnel dans la musique, voilà. Et ça fait 7 ans, 8 ans maintenant, que je suis intermittent et que je suis très content de faire ce métier parce que c'est une passion. C'est une passion, ouais. Et vivre de sa passion, il n'y a rien de plus chouette. On est voilà. Bien d'accord. Cédric ? Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, à part nous parler de votre tenue, on a des choses à entendre sur votre parcours musical ? Peut-être, oui. Alors, mon parcours musical, donc ben, moi j'ai commencé tout petit dans les écoles de musique de la région grenobloise. Voilà, je suis allé jusqu'à intégrer le conservatoire de Grenoble également. Donc j'ai beaucoup étudié la musique classique. J'ai fait aussi donc, un parcours à la faculté de Grenoble voilà, qui m'a amené à devenir professeur de musique dans les collèges. Voilà, donc j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Il faut dire ça avec le sourire, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Mais c'est tout de suite le visage du professeur qui reprend le dessus, ah, n'est-ce pas ? Ah, terrible, terrible. Voilà, donc, et puis j'ai toujours continué aussi de pratiquer la musique par ailleurs, j'avais quand même la passion du jazz, de l'improvisation aussi. Voilà, donc j'ai petit à petit
dans mon évolution, j'ai pris quelques années sabbatiques, on va dire, mais des années sympathiques, des années sympathiques, voilà, de disponibilité, donc pour vraiment me consacrer à la musique. Voilà, la musique instrumentale, la musique, la pratique de la musique, et donc qui m'ont amené, voilà, à progresser, je l'espère, et puis en tout cas à pouvoir participer aux jam sessions et me faire connaître un petit peu, et puis de fait, voilà, j'ai rencontré Olivier qui me fait confiance jusqu'à aujourd'hui pour interpréter ses compositions. Et ça fonctionne bien, voilà. Oui, je crois, j'espère en tout cas. Et enfin, donc, Cédric, j'aime beaucoup votre papillon rouge, comme ça, pour escarpin, ça va très très bien. Merci. Bienvenue, oui, merci. Bon, et donc, et vous, alors, c'est un parcours un peu plus traditionnel comme Cédric, ou vous êtes complètement... Moi, c'est exactement comme Cédric. J'ai commencé dans des petites écoles de musique par l'enseignement de la guitare. Après, j'ai continué au conservatoire à Bordeaux, par la guitare aussi. Et après, quand j'ai voulu faire du jazz, j'ai changé d'instrument. D'accord. Et votre instrument maintenant, c'est la contrebasse. La contrebasse. Voilà. Très bien. Donc, un contrebassiste de guitare et un saxophoniste, ça nous fait belles ailes. On est parti, on écoute. Vous nous faites swinguer, vous nous faites danser. Allez. Merci. Les belles ailes.
Merci beaucoup. Merci, merci. Donc ce titre qu'on peut retrouver sur votre dernier album, Quai Saint-Georges, sorti ce printemps, c'est bien ça, hein? Exactement. Premier titre de l'album qui s'appelle Ragtime, donc une composition qui est influencée par le bebop, le jazz de Charlie Parker notamment. Tout à fait. Donc Quai Saint-Georges, votre premier album, un second album en préparation sur lequel il y a un titre assez improbable, Marquisette. Vous m'expliquez un petit peu l'histoire de ce morceau? Alors l'histoire de la Marquisette, c'est tout simple. Pour le premier album, on a fait un financement participatif sur Cocorico. Le principe, les gens donnaient sous moyennant des contreparties. Plus la somme donnée est importante, plus la contrepartie est super. Et donc, y a quelqu'un qui donnait pas mal de sous. Et la contrepartie, c'était d'écrire un morceau de belles ailes, voilà, pour cette personne qui s'appelle Marc, donc la Marquisette. Donc rien à voir avec l'apéro. Ah, je suis déçue. En tout cas, merci à Marc alors. Et donc, prochain album, plein de morceaux. Donc par contre, voilà, si des gens veulent participer au prochain, vous êtes demandeur de mécène, il n'y a pas de souci. Hein. Belles ailes, les prochaines dates prévues pour vous retrouver, dites-nous tout. Alors le 1er mars au Bar Le 3 à Valence par exemple. Et bien, on y sera avec grand plaisir. Autrement, toutes les autres informations sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, on peut les retrouver. N'hésitez pas, allez voir, c'est chouette, c'est vivant, c'est différent. Vraiment, allez voir Belles Ailes. Voilà. Eh bien merci pour tout Belles Ailes, ravie de vous avoir revu, réécouté. Un petit dernier pour la route? Oui, alors un morceau qui s'appelle Bossa des Musards, voilà, qui fait référence au bassin des Musards situé à La Roche-de-Glun, où je vis. Eh bien, bienvenue dans la région, hein, ça fait plaisir. À très bientôt, merci, on vous écoute.
Merci beaucoup, Belzaï et l'album Quai Saint-Georges. On vous retrouve très bientôt. Merci. On enchaîne tout de suite avec la venue d'un ami. Je suis ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrick Declercq. Merci Amandine de nous avoir reçus. Oui. Je suis ravie. Donc tu viens représenter, toi aujourd'hui, le Petit Théâtre de l'Oustalou, qui est un lieu magique. Je connais, j'adore. Oui. Il faut y aller absolument. Tu as l'initiative de la création de ce petit théâtre, donc qui se trouve à Saint-Laurent-du-Pape, c'est bien ça? Tout à fait. Tu nous parles un petit peu de ton lieu? Alors oui, ce lieu, c'est une création voulue par un collectif artistique. Pourquoi ce lieu? Je suis comédien. D'accord. J'ai eu la chance de faire toute une formation de théâtre à la Comédie de Valence. Très bien. Un parcours un peu artistique, les, artistique et dans différents multi-artistique. Lieux, le cinéma. D'accord. Avec la chance d'avoir participé à des films avec Jean-Pierre Mariel, avec génial, oui. Julie Depardieu, avec Julie Gayet, voilà, entre autres. Avec ou sans casque, on ne sait donc, pas. Beaucoup de choses qui m'ont amené à créer un spectacle. D'accord. Qui s'appelle Enfantillage. La révélation, c'est de se dire où le jouer. Et où le jouer, c'est vrai qu'en Drôme-Ardèche, il y a nombre d'artistes dans différentes catégories, dans différents milieux artistiques, le chant, la musique, et très peu de salles, des petites salles. Des petites salles. Parce que, voilà, beaucoup ne peuvent pas les jouer dans des salles de 500-600 personnes, parce que, voilà, des petites salles, eh bien, ça se trouve pas facilement. Et ma venue en Ardèche s'est soldée par l'acquisition d'une vieille ferme du XVe siècle complètement en ruine. Et personne n'en voulait. Personne n'en voulait, si bien que eh bien moi, un peu fou, amoureux des vieilles pierres, j'ai restauré ce lieu. Et tu l'as drôlement bien fait en plus. Hein. Parce que un lieu, ça doit être aussi un lieu de vie, non pas seulement des pierres. Et né le aller petit théâtre. Un lieu de rencontre d'artistes. Parce qu'au départ, la salle, c'est accessoire, on va dire. La volonté, c'est de rassembler des artistes de tout ordre, faire la fête, s'épauler. Tout seul, on n'est pas grand-chose. Et puis, quand on est à plusieurs, tout à coup, ça devient... Ça fonctionne mieux, hein, bien sûr. Et avec quelqu'un qui est très connu dans le monde artistique, qui s'appelle Nicole Guette, bien sûr. Danse au fil d'avril, etc., on s'est dit, on va créer un lieu. On a 200 mètres carrés de cave voûtée, magnifique. Avant tout... un lieu de rassemblement d'artistes, d'amis, de gens avec qui il y a une fibre, avec qui il se passe quelque chose, avec qui il y a de l'échange. C'est une rencontre de copains, hein, c'est bien ça. Copains. Il y a la proximité entre le public, entre les artistes, et ce lieu fait que tout le monde se rassemble, tout le monde communie, on va dire. Exactement. Voilà. Et puis... c'est pas simplement une scène que tu proposes, c'est aussi un lieu de résidence pour les artistes. Hein. Alors, on a justement la résidence, parce que ce lieu, c'est le théâtre... C'est aussi des salles annexes où il y a des expositions aussi et où on peut venir en résidence parce que nous avons la possibilité d'héberger. Tout à fait. Pour les artistes qui viennent, voilà, ils ont le cadre, ils ont la piscine, pourquoi pas. Donc c'est un appel aux artistes, allez le voir au Petit Théâtre de l'Oustalou. Hein. Ils ont tout ça à proximité qui fait que ce cadre est voilà, un bon moyen de produire de l'artistique. J'ai bien compris. Artistes dans tous les domaines. La chanson, le théâtre, la danse, des artistes peintres, des photographes. Et tout ça fait que ça fourmille là-dedans. Et les amis de passage téléphonent, on vient prendre le café. Voilà. Et ça, pour moi, c'était important d'amener cette osmose entre aussi la population, parce qu'on peut parler de la population à Saint-Laurent-du-Pape, la vallée de l'Eyrieux,
il n'existait aucune autre salle dans le coin. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 personnes adhérentes à notre salle dans les trois communes aux alentours. Aux alentours, bien sûr, en Ardèche. Des gens qui n'avaient jamais été au spectacle avant, qui n'avaient jamais franchi les portes d'un théâtre. Et pour nous, ça, c'est formidable. Mission accomplie ? Mission accomplie, mission à encore à travailler, mission à ouvert aussi à plein d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons fait que entre-ouvrir la porte. Et c'est aux artistes de venir vers toi maintenant, voilà. Hein, maintenant, on est d'accord. Les artistes, voilà, ils peuvent nous proposer parce que ce lieu leur est ouvert et leur est confié. Fais un appel aux artistes alors, hein. Venez rencontrer Patrick au Petit Théâtre de Le Salou, voilà. Hein, à Saint-Laurent-du-Pape. Venez rencontrer surtout la population des petits villages, parce que l'artistique se fait aussi là-bas. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de voir les gens se déplacer pour découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais été voir ailleurs. L'appel est lancé. L'appel est lancé et... Bienvenue à tous ceux qui veulent franchir les portes du Petit Théâtre. Merci à toi, Patrick, de ta venue. On va se retrouver très vite au Petit Théâtre où on ira faire quelques images. Hein. Oui. Et puis, je te remercie. Annonce les prochaines dates, ce sera intéressant pour que le public vienne te voir. Alors, le 9 et 10 mars, on va fêter la Saint-Patrick. Évidemment. Voilà, alors on aura les Bretelles d'Octave, qui sont un groupe de musique traditionnelle qui viendront avec leur bignou, avec tout l'armada de leurs vieux instruments, nous aider à faire la fête pour la Saint-Patrick. C'est chouette. Donc et ça, puis, c'est le 9 et 10 mars. Le 9 et 10 mars, d'accord. Et puis, les 25 et 26 mai, on aura un duo extraordinaire, Alcaz. D'accord. Alcaz, c'est un duo à l'international que j'ai eu la chance aussi de rencontrer comme ça, au détour des chemins, qui viendra pendant une semaine à Loustalou en résidence pour préparer leur prochain album. D'accord. Ils nous offriront deux soirées pleines de sensations, de douceur, d'humain. D'accord. Leur particularité, quand on les écoute, au-delà des belles chansons, parce qu'ils sont auteurs-compositeurs, c'est qu'ils ont inventé un tas d'accessoires instrumentaux qui nous plongent dans l'atmosphère de leurs chansons. Tout est dit. C'est ravissement. Ça a l'air de te plaire, en tout cas. En tout cas. Donc ça, c'est donc les vendredis, samedi 25 et 26 mai. Hein, on peut retrouver donc le groupe Alcaz. En attendant. Merci beaucoup, Patrick. Il peut y avoir d'autres programmations. Tout à fait. Sur le site internet, hein, on peut te retrouver. Alors, sur le site Facebook. Sur le Facebook. Le Petit Théâtre de Loustalou. Très bien. Et puis, sur ceux qui veulent nous contacter, oustalou@sfr.fr. Très bien, ou alors on peut déambuler jusqu'à Saint-Laurent-du-Pape, jusqu'au Petit Théâtre directement. Voilà. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci Patrick. À très bientôt. On va terminer cette émission avec Belzaï. Une petite dernière pour la route. On va swiguer un petit peu. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour la prochaine émission d'Escarpins et Rouge Micro. Ici, donc, au même endroit, dans la salle de Stéphanie Roche, à l'école de danse Danse Avenue, à Valence. Venez voir ce lieu, ça vaut le coup aussi. Merci à tous, merci au public d'être là aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne fin d'émission avec les Belzaï. Merci beaucoup. Au revoir.